Bon, alors donc, plus sérieusement, en fait, moi, quand j'ai fini ma thèse, je ne savais pas trop quoi foutre, je n'avais pas un radis. Et je me suis dit, bah tiens, je vais étudier cette plante-là. Je ne sais pas si vous connaissez cette orchidée forestière, la Néosie, qui pourrait rappeler une plante parasite d'ailleurs, parce qu'elle est complètement sans chlorophylle. Et elle s'appelle Néosie nid d'oiseau, c'est une orchidée forestière sans chlorophylle, parce que son système racinaire fait comme un nid d'oiseau. Vous voyez, il est très dense. Et on disait souvent, ah bah, c'est des orchidées qui mangent, qui sont saprophytes, qui se nourrissent de litière. En fait, avec une surface d'échange comme ça avec la litière, je ne vois pas très bien ce qu'elles peuvent bouffer. Et par contre, ça, c'est bourré de champignons. Et d'ailleurs, c'est même une des premières orchidées sur lesquelles, à la fin du 19e siècle, un dénommé Noël Bernard avait découvert l'importance des champignons pour les orchidées. C'est bourré de champignons. Et évidemment, comme cette orchidée est assez étonnante, bah, les gens ont essayé d'isoler ce champignon, mais ils n'y sont jamais arrivés. Et tant qu'il a fallu isoler le champignon pour l'identifier, on ne savait pas ce que c'était. Et puis Marc-André Seulas arrive dans les années 80. Non, 2000, quoi, tout début des années 2000. Et là, bah, on a l'ADN. Donc il suffit de broyer tout ça et de déterminer quel champignon c'est. Et alors là, on trouve quelque chose d'étonnant. On trouve que le champignon, ce sont des sébacina. Alors, ça ne va pas vous aider beaucoup. Les sébacina, c'est les machins qui font des fructifications sur le bois mort, comme les téléphores, vous savez, qu'on a trouvé hier en forêt. Et tout le monde disait, ah, bah, ça vit sur le bois mort, donc c'est. Bah, ça bouffe du bois mort. Sauf que, moi, ce que j'avais trouvé dans les racines, c'est qu'il y avait énormément, entre les racines d'orchidées, des racines d'arbres, qui avaient un type mycorhizien particulier, vous voyez, un peu branchu, un peu orangé, très lisse. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai broyés. De toute façon, quand je vois une racine au laboratoire, en général, elle n'est pas loin d'être broyée pour extraire l'ADN. Hein. Et on a regardé qu'est-ce qu'il y avait comme champignon dedans. Ben, vous savez ce que c'est? Les mêmes. En fait, ces sébacina qu'on n'a pas trop étudiés, c'est des mycorhiziens hyper fréquents sur les racines des arbres. C'est 10% des mycorhiziens, mais bon, à l'époque, on ne savait pas. Et c'est les mêmes dans l'orchidée. On a même réussi à typer les individus. Vous savez, un petit peu comme ben, j'avais fait ça pendant ma thèse, donc je savais faire. Et on trouvait les individus sont présents là ou là. Et ce qu'on a montré, c'est que les mêmes espèces étaient présentes sur les racines des arbres et sur les racines de l'orchidée, mais bien plus, et là je le montre avec des couleurs différentes, en vert, en bleu ou en rouge, les mêmes individus se retrouvaient de chaque côté et plutôt à proximité. C'est-à-dire qu'au sein de l'espèce, j'avais des individus différents d'une racine à l'autre de l'orchidée. Mais ces individus se retrouvaient sur les racines de l'arbre. Les mêmes individus. Donc la même espèce et bien plus les mêmes individus. Donc en réalité, le carbone, il doit arriver des arbres voisins. Ces plantes non chlorophylliennes qui ne sont pas directement parasites, on les appelle, sorry it is in English, les micro-hétérotrophes. Hétérotrophes assistés par mycorhizes. Et en fait, comment elles marchent, ces plantes? Eh bien, elles ont des mycorhizes. Avec un champignon qui fait aussi des mycorhizes, bref, elles utilisent le réseau. Et elle, il n'y a pas photo, le bilan, il est en faveur de ce truc-là, parce que sinon, il ne pousserait pas. Vous y êtes? Alors, ce fonctionnement a été montré par des marquages aussi. Vous marquez ça au carbone 14, vous n'en retrouvez pas dans les plantes autour, sauf là. Bon, ça a été montré, et cette mycohétérotrophie, ah bah oui, je l'avais en français, la diapo, bon, j'aurais pu vous la montrer. Cette mycohétérotrophie, c'est un truc relativement rare, mais qui montre qu'effectivement, les réseaux peuvent transmettre du carbone. La mycohétérotrophie est apparue à plusieurs reprises dans l'arbre évolutif des plantes terrestres. C'est apparu chez les orchidées, hein, on en parlait, et aussi chez les ericacées. Il y a le suspin ou monotrope que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais si vous ne connaissez pas ça, je vous présente Sarcodes sanguinea, une jolie mycohétérotrophe californienne qui est toute rouge, mais pas un pet de chlorophylle. Hein. Et c'est apparu chez plein d'autres familles, notamment certaines polygalacées des tropiques, certaines gentianes des tropiques. Voilà, je vous montre sous les tropiques, ça c'est les tropiques françaises. Hein. Nous sommes ici en Guadeloupe, bah, il y a cette voiria qui est une gentianacée complètement sans chlorophylle. Vous avez ici des petites plantes qui sont dans la famille des Burmaniacées, complètement sans chlorophylle, qui sont hyper abondantes dans les forêts. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Bah, des champignons vésiculo-arbusculaires qui sont les mêmes que ceux des arbres autour.
Donc, à plusieurs reprises dans l'évolution, il y a des plantes qui sont spécialisées pour utiliser le réseau. Donc, ça veut bien dire qu'il y a du carbone qui passe et que le bilan peut être en faveur de l'un des partenaires. Là, c'est plus qu'en faveur, c'est quasiment un parasite. Donc, ils ont pas de... on se demande effectivement quel est l'avantage pour l'arbre qui a fourni le carbone. C'est peut-être des parasites indirects, oui. Alors, on n'a pas d'évaluation du coût pour l'arbre. Mais moi, je parierais. C'est pas un incident sur l'arbre, c'est tellement petit une plante, enfin une fleur comparée à un arbre. Sans doute. Mais tu vois, on n'a pas d'études précises. Si ça se trouve, il fait 4 glands moins par an. Et du coup, sur le long terme, c'est mieux. Ce serait mieux que. Bon, en tout cas, on se dit que ça ne doit pas être l'horreur. Et en fait, on n'a pas de chiffres à donner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça montre nettement qu'il se passe quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose que ça se passe nécessairement comme on le voudrait quand on a fait quelques marquages dans l'année. C'est tout le problème est là. Alors maintenant, je vais vous montrer encore autre chose. Bon, d'abord, vous remarquez que ça ne marche pas trop comme ça dans ce cas-là, puisqu'ici, la plante, en fait, elle a inversé cette flèche, au moins pour le sucre. Bon, comment ? Ça, on en parlait avec quelqu'un d'entre vous hier. Oui, bon, par exemple, en fait, on ne sait pas très bien comment elle bidouille le champignon. On ne sait pas. On espère savoir, c'est les travaux de mon équipe polonaise, on espère savoir un jour, et puis, bon, on peut toujours espérer. C'est là qu'on mettait les deux espèces d'arbres. Il y avait quand même du transfert de carbone. Oui, mais tu vois, c'était calculé à un moment. D'accord. Au moment où tu fais ton marquage. Mais ce qui fait qu'il y a quand même du sucre qui passe... Ah oui. Mais simplement, tu ne sais pas si le lendemain, ou si 3 mois plus tard, ou si pendant l'hiver, ça ne s'inverse pas. Ça, c'est un instantané d'un échange au moment où tu fais ton marquage. Là, ça intègre plein de moments, quoi. Enfin, ça ne peut pas circuler dans un des deux sens. Est-ce qu'à des moments où il peut y avoir un stress climatique ou un basculement, est-ce qu'on peut avoir une adaptation de ces réseaux et des différences ? En fait, aujourd'hui, c'est la grande idée qu'on a. C'est que probablement, je les manip, mais on se dit qu'au moins en forêt, les échanges ont lieu dans tous les sens. C'est énorme, hein, parce qu'on pense aujourd'hui qu'il y a un bon 20% de la photosynthèse des arbres qui passe dans les voisins. Mais tous. Donc le bilan, il est nul. Sauf si une plante est un peu plus souffreteuse, un peu plus en sous-étage. Alors là, si, peut-être qu'elle peut recevoir plus qu'elle donne. Donc il y a une petite opportunité pour que ça ne joue pas entre plantes dans le même état, mais que ça soutienne éventuellement des plantes plus faibles. Et entre nous, il ne faut pas en conclure que c'est que les plantes en bon état aident les plantes souffreteuses. C'est le champignon qui bidouille son affaire dans son coin. Et la question, c'est que fait le champignon dans cette histoire ? Est-ce qu'il n'est pas simplement en train d'investir dans un maximum de partenaires ? Vous y êtes ? Pour être sûr qu'après une tempête, il en restera un, vous voyez. La question qu'on peut se poser maintenant, juste très rapidement pour terminer, vous montrer qu'en fait, ça c'est des monstres, mais c'est des monstres qui parlent. Ils nous parlent de choses qui se passent sans doute au-delà de ça. Ces plantes non chlorophylliennes sont bon. Enfin, vous voyez, l'année aussi, le suspens, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, mais bon, en général, quand je parle de ça à mes étudiants, ils me regardent d'un air de dire où est-ce qu'il a été les péchés. Mais quand même, il y a un truc, c'est que c'est apparu cette histoire-là d'utilisation du réseau comme moyen de transférer de la bouffe, c'est apparu dans plusieurs familles qui, normalement, sont vertes. Et donc, ce qu'on s'est dit, tiens, mais au fait, comment fonctionnent les espèces vertes qui sont évolutivement proches de ça ? Est-ce que, en plus d'être verte, elle ne serait pas un peu... Vous y êtes déjà en train d'utiliser le réseau. Auquel cas, ça, ce serait juste une perte finale. La petite touche finale serait la perte de la chlorophylle. Alors, on l'a fait. On a par exemple travaillé sur cette plante qui ressemble à un glaïeul, hein, qui est proche de l'année aussi, qui s'appelle un limodore abortif, et dans lequel on trouve, des russules. La même chose que sur les arbres voisins. Ou sur des épipactis, où on trouve des truffes. Donc aussi des champignons qu'on a sur les arbres voisins. Alors déjà, on se dit, c'est bien parti, ils ont les mêmes champignons que les arbres voisins. Au fait, ça répond à ta question, ce champignon-là, cette truffe, fait une ectomycorhize sur les arbres, mais quand elle rentre dans l'orchidée, là, elle fait une endomycorhize d'orchidée. Donc là, c'est selon l'hôte. Mais on parle d'endomycorhize à peloton, là. On ne parle pas du tout d'endomycorhize herbiculaire comme ce que vous avez dans les champs. On parle d'histoire forestière. Hein. Bon. Alors, je vous passe les histoires. En fait, on a démontré ça à coup de chimie isotopique, de teneur isotopique, qui sont des bons intégrateurs de
comment ça se passe sur le long terme. Vous savez, les isotopes, ça permet de faire des trucs géniaux. Par exemple, les taux d'érosion, ça se calcule sur des reconcentrations isotopiques. C'est vraiment des outils très très puissants pour voir comment fonctionnent les choses. Mais je vais vous montrer une preuve beaucoup plus simple qu'un enfant pourrait comprendre. Et c'est tellement vrai que moi, c'est une image que j'avais gardée de mon enfance, comme tout jeune botaniste. Hein. Et ça m'avait perturbé. Et je suis retourné sur les sites que je connaissais dans la région parisienne où j'avais repéré ces plantes pour travailler. En fait, ces espèces qui sont vertes hein, quand même, on a parfois, rarement, ça. C'est-à-dire qu'à côté d'un individu qui est complètement vert, on a un individu de la même espèce qui est complètement blanc. Et celui-là, je peux vous dire que je l'ai suivi pendant 13 ans. Il ressortait de terre tous les ans, à partir d'un rhizome pérennin. Il était toujours blanc. Et son voisin était toujours vert, simplement certaines années, ils n'étaient pas là. Du coup, il y avait une certaine appréhension l'année suivante. Va-t-il ressortir ? Bah, d'ailleurs, ils restent sous terre tout simplement parce qu'ils font sous terre ce que font ces individus-là. Ils se nourrissent de champignons. C'est dans quel pays, ça ? Non, ça, c'est sur la ligne D du RER à la station Boigneville. Non, ça, c'est chez nous. Mais c'est assez rare. Parce qu'en fait, on sait maintenant qu'ils ne fonctionnent pas super bien, ils ne produisent pas beaucoup de graines. Donc ils ne se reproduisent pas bien. Mais ils survivent très bien. Leur longévité, on a fité des modèles de démographie avec un Américain qui travaille sur les modèles démographiques et qui, à partir de 15 ans d'observation, vous dites, bon, bah, ça vit tant en moyenne et ça vit tant en moyenne. Et bien, ça vit aussi longtemps que ça. Mais ça produit moins de graines, donc ils sont un peu rares parce qu'ils ne se reproduisent pas. En tout cas, ce que nous racontent ces individus, c'est qu'en fait, il y a des plantes vertes qui, effectivement, sont des importateurs nets de carbone. Et c'est surtout des plantes forestières, et c'est logique parce qu'elles n'ont pas trop accès à la lumière. Et c'est de là que certaines deviennent ben, tout comme ça. Ça existe aussi chez les éricacées. Là, on est dans une pinède estonienne, avec un copain avec qui on bosse là-dessus. Et vous voyez que par terre, sur cette pinède, ben, il y a des suspins, mais ils sont secs, ils sont des années précédentes, donc des micro-hétérotrophes complets. Et puis, il y a Ortilia, qui est une éricacée. Qui est proche de ça, qui est une éricacée, qui est proche de ça, et bien Ortilia, mycohétérotrophe. Chimaphila umbellata, qui est ici, pareil, partiellement mycohétérotrophe. Photosynthèse et exploitation du réseau mycorhizien. Monaises uniflora, ici, pareil, elle est verte, elle fait de la photosynthèse, mais en plus, elle exploite le réseau mycorhizien. Donc là, vous avez un sous-bois, sous ces pins, bien que ce ne soit pas forcément très sombre, où il y a plein... Ah bah tiens, il y a encore une orchidée du genre Apipactis, qui est là. Dans ce sous-bois-là, qui est en début de saison de végétation, tout ce qui est vert tire du carbone du réseau mycorhizien. Ce n'est pas vrai dans tous les sous-bois. Celui-là, il est vraiment exemplaire. Mais ce que ça veut dire, et je vous passe les preuves isotopiques parce que là, on va s'endormir sinon, ça veut dire qu'il y a des plantes qui sont mixotrophes, c'est-à-dire qui mélangent la photosynthèse et l'utilisation du réseau. Donc, le réseau peut bien servir à transporter de la bouffe et même un flux net de bouffe dans une direction. Et ces plantes mixotrophes, pour l'instant, c'est surtout des plantes forestières. Mais elles nous disent qu'effectivement, les réseaux transfèrent de la bouffe. Et donc, demain, la question, c'est est-ce qu'on peut mobiliser ça dans un écosystème agricole ? En particulier, je pense au transfert d'azote vers une céréale. Du coup, au lieu de mettre de l'engrais azoté, on co-sème une céréale, une légumineuse qu'on ne récoltera pas. Et ça fournit, si les conditions sont favorables, ça fournit l'azote à l'aquaculture. Et qu'est-ce qu'on sait de l'interaction entre une prairie, une haie et une forêt dans les échanges ? Ça, c'est un peu la question justement qu'on pose différemment avec l'agroforesterie et le noyer et le maïs. Parce que finalement, en agroforesterie, on trouve la même question. L'envie qu'on a, c'est de se dire que potentiellement, il y a là des trucs qui sont là toute l'année, et qui précultivent des champignons, qui pourront éventuellement être directement présents et développés dans le sol, pour la culture. Et parce que là, on parle de co-culture sur le même site, mais on peut s'imaginer que le mycélium, il est tellement grand que si je mets mes pois là et mon blé là-bas, par exemple, oui. Ils vont réussir à... Après, est-ce qu'il y aura un transfert efficace sur telle distance ? Pourquoi pas, mais voilà. Okay. Et effectivement, c'est aussi le problème de la haie, c'est que tout le monde n'est pas à côté de la haie.
Et là, l'agroforesterie est plus intéressante parce qu'elle met régulièrement les arbres. Après, est-ce qu'elle fait quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Donc, moi, j'en ai fini. Je vous ai montré les choses dont on est certain parce que là, clairement, hein, c'est le budget. Et après, ça ouvre des tas de pistes et ces pistes sont en cours d'exploration. Évidemment, et là encore, j'en suis désolé, demain, il n'y a pas un geste à faire à la parcelle pour que les févroles donnent un coup de main par mycorhiziens interposés aux céréales. Mais vous voyez qu'il y a un potentiel énorme. Et il va falloir le parcourir maintenant. De même que ça fait 150 ans qu'on parcourt les potentiels de l'agriculture chimique avec un certain succès quantitatif. Ben maintenant, il faut parcourir ça. Et j'espère que ça prendra moins que 150 ans. Enfin, à la vitesse où c'est financé, ça pourrait être long quand même. J'ai juste une dernière image à vous montrer, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Et ben, du coup, dans cette optique de l'agriculture, dans... parce que les spores, on... enfin, soit on importe les mycorhizes, soit on estime que les spores sont déjà dans le sol. Mais est-ce ou que du mycélium, c'est... d'ailleurs. Ou du mycélium. Surtout si on a une plante qui reste végétative tout le temps, genre agroforesterie. Mettons, je sors d'un blé labouré depuis 50 ans. Est-ce que je peux dire qu'il y a encore l'inoculum dans mon sol? Parce que les spores, c'est capable de résister très très longtemps. Pas celle-là. Mais enfin, sur le blé, il y en a quelques-unes, il y en a qui s'installent. C'est pas du zéro mycorhize, même sur un blé fertilisé. Hein. C'est une mycorhize qui est sans doute pas très utile au blé. C'est une mycorhize qui est sans doute pas très abondante parce que la plante nourrit pas trop les champignons dans ces conditions-là. Mais enfin, il ne faut pas imaginer que dans un champ très fertilisé en monoculture, il y a zéro mycorhizien. Il n'y en a pas beaucoup en diversité d'espèces et surtout en quantité d'inoculum, de spores ou de mycélium. Mais ce n'est pas zéro. Et puis ça se repeuple, hein, ça circule ces trucs-là. Comment on peut repeupler si on repart de cet état de départ? Oui, comment on peut favoriser ça? Comment est-ce qu'on peut favoriser sans comprendre les mécanismes après entre les plantes, mais dire la plus rapide mycorhize. Ouais. Plus on a de chance qu'il y ait des liens entre nos céréales et nos... Là, je suis désolé, mais c'est un peu difficile à répondre à cette question. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps dans Nutriphytologist qui étudie, qui compare des parcelles en bio et pas en bio. Il ne s'agit pas de permaculture, là. Il s'agit bio, pas bio. Et ben, vous voulez savoir le résultat? Ben, rien. On voit rien. Il y a juste un groupe qui bouge. C'est pour ça que je mets le papier, parce que c'est un groupe dont je suis un spécialiste par ailleurs, c'est les sébastina, qui vivent aussi sur les racines des herbacées. Enfin, c'est un peu compliqué, mais... Alors, elles, il y en a plus quand c'est bio. Mais comme on ne sait pas ce qu'elles font dans les racines... Alors, vous voyez, c'est un peu l'horreur. La question, c'est d'ailleurs, au fait, est-ce que c'est pas qu'on a détruit depuis plus longtemps, depuis très longtemps, tout ce qui pourrait vivre dans une agriculture non conventionnelle, c'est-à-dire sol non retourné? Il est possible qu'il faille attendre plus de 10 ans pour voir revenir des espèces qui sont devenues très rares parce que ça fait des lustres qu'elles n'ont plus d'endroit où vivre. Il se peut qu'il y ait un effet. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas d'effet. Il faut être préparé à tout. Bref. Du coup, on se retrouve dans une situation où on a peu de conseils à donner, sauf un. Et je finirai là-dessus, mais avant, j'ai encore une diapo à vous montrer. C'est juste pour savoir si l'idée d'aller choper de la terre à un endroit où une prairie permanente, ça fait 15 ans qu'elle est prairie permanente, disons, à choper de la terre et l'utiliser en tant qu'inoculum pour tes jeunes plants. Ça peut ou pas. Mais oui, non, mais il a raison. Tout n'est pas cultivé ou géré. Ça peut être une piste. Et ça, ça n'a pas encore, à ma connaissance, été vérifié. Enfin, je dis à ma connaissance parce que maintenant, des papiers sur les mycorhizes, hein, c'est plus comme quand j'étais jeune où il en sortait hein, tous les mois. Maintenant, il en sort 40 tous les jours. Donc, c'est dur de dire ça n'a pas été étudié. Je peux juste dire que ça, je ne l'ai pas vu. C'est un peu quand même l'idée de l'inoculation. Hein. Après, à ce niveau-là, il y aurait presque... En Nouvelle-Zélande, ils ont introduit beaucoup de vers de terre avec des mottes de terre. Est-ce qu'ils n'auraient pas introduit en même temps des mycorhizes qui ne se trouvent pas là-bas habituellement et qu'on peut... 1 gramme de sol, 10 000 espèces de champignons, 1 000 espèces de champignons, 10 000 espèces de bactéries. Donc c'est clair, ils ont introduit des tas de trucs. Ils ont dû introduire des champignons. Oui, il y a une discussion. Il y a un champignon, par exemple, qui est très commun dans les écosystèmes agricoles et qui on trouve dans le monde entier. Et aujourd'hui, les gens se disent, mais en fait, est-ce qu'il était vraiment toujours dans le monde entier?
Il y a un endomycorhizien, c'est un glomus. Je crois que c'est glomus infraradicès. Et les gens se demandent si c'est pas juste un champignon d'Europe qui est devenu cosmopolite. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion que sur une parcelle où on doit beaucoup agir dans l'année, si on laisse un enherbement autour et que ça va favoriser de garder le mycélien, le réseau mycélien en peut-être. Mais non, mais justement, c'est un peu ça qu'on teste, parce que ça, tu perds pas de vue qu'en agroforesterie, finalement, tu vas avoir une ligne plus ou moins enherbée sous tes arbres que tu vas pas, qui ne va pas être affectée par les traitements agricoles. Donc, c'est des choses qu'on essaie de regarder. Moi, je connais pas de travaux qui parlent de ça. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est super frustrant cette formation, parce qu'on a vu des tas de photos de trucs dont on se demandait même s'ils poussaient en France. Mais... alors, j'ai trois mots-clés pour que faire dans la vie. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. La première chose, ça s'appelle l'évolution. Tout ce qui vit autour de nous est le produit d'une évolution. D'accord ? Donc, quelque part, ça a été sélectionné parce que ça marchait. Quand on change la règle du jeu, il y a un risque que le nouveau fonctionnement soit bizarre. Donc, quelque part, si on essaie de voir comment ça a marché, on peut se dire qu'il y a peut-être des pistes à reprendre. Vous savez, d'autres personnes appellent ça l'intensification écologique, hein, si vous avez entendu parler de ça. C'est comment je peux utiliser les fonctionnements écologiques ordinaires pour faire que ça marche mieux dans un agro-système. Donc, par exemple, les plantes sont mycorhizées depuis les origines, est-ce qu'il n'y a pas un truc à utiliser dans ce coin-là? Le sol n'est pas retourné, ou faiblement retourné quand c'est des vers de terre, ou très faiblement retourné quand c'est juste la remontée des sels minéraux par les plantes et la retombée des feuilles. Le sol, il n'est pas retourné depuis des millions d'années, bah, est-ce qu'on pourrait pas ne pas retourner le sol, vous voyez? Souvent, les gens se disent « Ah, on va rechercher le fonctionnement naturel ». Erreur. Nous sommes la nature. Nous sommes un bout de la nature. Nous en sortons, nos cacas rentrent dans la nature, vous y êtes, nos plastiques rentrent dans la nature. Alors évidemment, ils y rentrent pour longtemps, mais c'est un obstacle de dire que l'homme n'est pas naturel. C'est un vieil héritage très européen d'ailleurs de l'époque des Lumières, avec le mythe du bon sauvage, la société qui marchait mieux avant que la civilisation n'arrive. C'est un mythe ça, c'est un mythe, nous sommes dans la nature. La forêt amazonienne, elle est cultivée depuis des millénaires. Bon. Il ne faut pas chercher la nature. Ce qu'il faut chercher, c'est comment s'inspirer des choses qui ont marché. Ouais. Et c'est un petit peu différent. Et en passage, ça nous dit qu'il faut quand même une petite goutte d'humanisme. Hein. L'homme est une partie de la nature et ce n'est pas la pire. Ah, c'est pas la pire. C'est qui la pire, là? Je ne sais pas, mais... je veux dire, si vous lisez mon bouquin sur les microbes, vous verrez qu'il y a eu un désastre qui s'est passé quand les Européens sont arrivés en Amérique, qui a fait des centaines de millions de morts, et ce n'est pas la faute de l'homme. Enfin, pas directement. C'était pas à l'échelle planétaire aussi. C'était pas à l'échelle planétaire. Ouais, enfin, c'était quand même deux gros continents, mais bon, d'accord. Non, mais moi, je suis positif. Je veux dire, vous voulez une bonne... Attends, vous cherchez une merde, vous en voulez une bonne? Il y a un jour des cyanobactéries, ben, on parlait de cyanobactéries hier, hein, qui ont inventé la photosynthèse. Elles ont commencé à chier de l'oxygène dans des milieux où il n'y avait pas d'oxydant. Ça a été un... Alors là, il a été planétaire, le désastre. Hein. Ça a été un désastre. Déjà, tout le fer s'est mis à précipiter pour former ce qui sont aujourd'hui les gisements de fer, parce qu'il s'est oxydé en fer ferrique. Il y a eu une carence en fer dont on n'est pas sorti. Aujourd'hui encore, hein, on vit là où il y a du fer. Et que fait une maman enceinte pour éviter d'attraper des maladies? Oui, parce que son système immunitaire, vous savez, à la maman enceinte, ben, il devient plus tolérant pour ne pas rejeter le fœtus. Bonne idée. Alors du coup, elle est plus la proie des maladies. Qu'est-ce qu'elle fait pour emmerder les bactéries? Carence en fer. Ah oui, je sais que les médecins mettent du fer. Bon, ben, ça veut dire que les mamans peuvent attraper plus facilement des maladies. Voilà. Dans l'œuf, comment protéger l'œuf? Eh bien, le fer, il est lié à des ferritines, d'ailleurs aussi dans le lait, hein, ce qui fait qu'il n'est pas accessible aux microbes. Et ça, c'est une façon de stériliser le milieu. Donc on en est parvenu de cette catastrophe. Aujourd'hui, on est limité en fer. Alors que le fer, parce qu'il est ferrique, quoi, parce qu'il est oxydé. Oui,
entendons, il n'y a que le fer ferreux qui est soluble et biodisponible. Le fer ferrique, il est précipité et pas biodisponible. Donc depuis que ces connes-là ont lâché de l'oxygène partout, on vit dans un monde carencé en fer. Ça fait qu'au milieu de l'océan, il y a des zones, par exemple, où il y a de l'azote à profusion, du phosphore à profusion, et il n'y a pas un pet de plancton. Pourquoi ? Bah parce que le fer, il est précipité, il est tombé au fond de l'océan, et comme il n'y a pas de fleuve qui ramène du fer, et bah il y a rien. Il y a des déserts biologiques, là où on vous feriez pousser, en termes d'azote et de phosphate, des champs de blé à moisson. Donc, des catastrophes planétaires et des producteurs de déchets qui foutent le bordel, c'est la vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et ouais, ça veut dire que c'est bien, hein. C'est pas un jugement moral, c'est une constatation biologique. Bon. Donc, quelque part, à un moment, cette catastrophe s'est soldée par plus une catastrophe, et c'est le moment où on a inventé les machins qui respirent et qui utilisent l'oxygène. Donc tu vois, quelque part, ça nous donne la piste. Ben, on peut faire des déchets, il faut juste qu'ils rentrent dans les écosystèmes, point. Voilà. Et hop, c'est fait, l'homme est une cyanobactérie comme une autre. Bon, alors ça, c'est la première chose, c'est l'évolution. C'est l'idée de dire, bon ben voilà, il y a un processus évolutif, il y a des trucs qui ont été testés, marchés pendant des millions d'années, récupérons cet héritage, essayons de faire pareil. C'est plus ou moins ce que disent maladroitement les gens quand ils disent « faisons plus naturel ». En fait, c'est « faisons plus logique avec l'histoire évolutive », avec comment c'était. Bien. Le deuxième conseil, c'est le bon sens. L'idée, hein, c'est que les scientifiques sont aujourd'hui pas toujours capables de vous donner des pistes de travail. Et en fait, c'est vous qui savez mieux en fait que eux. Pourquoi ? Parce que vous, vous voyez vos écosystèmes, vous voyez vos champs, et à un moment, eh ben, vous pouvez prendre des décisions après des tâtonnements. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis émerveillé de voir des gens qui font de la permaculture, et puis ça marche, et puis il n'y a pas trop de théorie derrière, mais voilà, ça marche. Vous y êtes ? Alors, le bon sens, on peut le décliner sous un autre terme qui s'appelle contrôle. Ça nous renvoie au petit déjeuner avec certains d'entre nous. L'idée, c'est que c'est bien d'expérimenter des trucs, hein, c'est ce qu'on disait. Mais souvent, moi, je vois, je connais bien les trufficulteurs. Et là, par contre, là, on commence à essayer de leur donner des conseils, parce qu'on commence à faire les tests. Eh bien, ils ont des tas de routines marrantes. Ils font des trous, ils mettent de la tourbe, ils rebouchent le trou, et ils répandent de la farine, ils mettent de la magnésie. Et ça marche, enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Et alors, évidemment, vous vous dites, ouais, en 82, j'ai commencé à faire ça, et alors là, ça a pété, mais... Je fais, ah bon, et qu'est-ce que ça donnait, là, où tu n'avais pas fait ça ? Histoire de voir si 82 n'était pas juste une bonne année. Hein. Je dis, bah non, attends, tu parles, vu comme ça marche, moi j'en ai mis partout de la magnésie. Bon, oui, ça, c'est le problème. Ce qu'il faut, c'est tester en ayant toujours, dans la même parcelle, ou un rang sur deux, pas le traitement, pour voir s'il y a une différence. Hein, c'est ce que tu nous racontais ce matin. Tu peux peut-être le dire d'un mot. Oui, en fait, j'ai fait un essai il y a 4-5 ans d'injecter de la mycorhize dans l'arrêt de plantation en pomme de terre. Mais j'avais gardé mon protocole habituel, je suis en conventionnel. Donc, il y avait du phosphore, de l'azote en arrêt de plantation et une strobilurine pour les maladies de peau. Et le seul essai qu'on ait fait... Et qui est un antifongique, donc. Hein. Un antifongique, ouais. On a juste commencé à planter comme d'habitude, avec mon protocole, et on a rajouté les mycorhizes après. Mais si j'avais eu la formation hier, j'aurais sûrement d'abord essayé sans rien du tout, que la mycorhize seule, et après avec les autres choses. Oui, faire varier tous les facteurs. Faire varier tous les facteurs. Alors que là, j'avais biaisé parce que le phosphore, bon, incompatibilité, la plante est feignasse parce qu'elle n'a pas besoin de la mycorhize, forcément. Et puis, tu te serais peut-être aperçu d'ailleurs que j'ai tort et que c'est bien de mettre et le phosphate et le champignon. Je veux dire, les livres n'ont pas raison, hein, c'est l'épreuve des faits qui parle. Mais voilà, ce qu'on appelle les contrôles, c'est l'absence de traitement pour voir qu'est-ce qui se passe sinon. Et ça, si vous faites des trucs chez vous, bah, le bon sens, je suis sûr que vous l'avez, vous ne seriez pas là sinon. Et pensez au contrôle quoi, pour voir comment ça marche. Et finalement, je suis désolé que la fin de cette histoire, c'est que vous n'auriez pas dû venir, parce qu'en fait, la solution, eh ben, elle peut venir que de vous pour l'instant. D'abord, elle viendra de toute façon de vous, parce que si vous attendez que les chercheurs... Oui, voilà. Si vous attendez que les chercheurs trouvent la réponse, de toute façon, ce sera avec vos impôts. Alors, ouais, donc ça viendra de vous quand même.
On discutait tout à l'heure, effectivement. Voilà. C'est dernier, là, seulement. Bon, ben, à vous. Alors, maintenant, il y a Léo qui est en train de... Et le 3, du coup, c'était quoi? C'est le contrôle ou c'est... Non, non, ben, s'il faut vraiment un 3. Allez, 3. Merci. On avait dit 3 au début. Non, tout est dit en 2. Désolé. Et voilà. Non, mais sérieusement, le 3, c'est pas inutile de le dire, parce que c'était sympa. Mais alors, donc, c'est pas fini, là. Faut qu'on aille voir tout ce qu'on a ramassé hier, et les lames qu'a préparé, et les sols qu'a préparé Léo. Je sais pas où ça se danse, mais...